Ils veulent sortir sans nous, c'est mort. Ils sont là-bas, regardez. Attends, c'est eux là-bas. Tu vas dire ? Baisse ton siège ! Baisse ton siège, Marie ! Voilà. Guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis ravie et très excitée de vous faire une petite vidéo aujourd'hui qui n'est pas un prank, mais à la limite du prank. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le but de faire chier. Donc aujourd'hui, le Sun Squad, c'est un 24 heures sans regarder ma famille, sans parler à ma famille. Je vais les ignorer tellement fort. Oh là là. J'aimerais trop que les problèmes de la vie puissent m'ignorer comme je m'apprête à le faire. Donc j'ai hâte de voir la réaction de ma mère. Ma mère, elle aime trop m'appeler tout le temps. Pinola, 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 Pinola. Mes soeurs, elles m'aiment trop. Je les vois déjà en train de me secouer. Pinola, s'il te plaît, réponds-nous. Par contre, attendez. Là, je suis en train de me poser une question. Imaginez en fait, parce que là, je suis grave en mode, ils vont mal le vivre, etc, etc. Mais imaginez en fait, et ben, ils se disent, ah, tu nous parles pas? Bah tant mieux, ça nous fait des vacances. Je le prendrais grave mal par contre. Non, mais je pense que non, ils m'aiment trop. Dans la famille, on m'aime trop, moi je suis grave une fille aimée, donc je pense qu'ils vont vraiment très mal le vivre. Voyons voir parmi vous qui connaît mieux ma famille. Si vous pensez qu'ils seront en mode détresse, mettez en commentaire un hashtag espace D pour détresse. Et si vous pensez qu'ils vont grave bien le vivre, que je leur parle pas pendant 24 heures, mettez un hashtag espace V comme vacances, genre ça nous fait des vacances. Mais non, c'est pas possible. Moi, je vous conseille de mettre détresse. Je pense même que les filles, elles seront au bord des larmes. Je pense vraiment que mes soeurs, elles vont même pleurer parce qu'elles m'aiment trop en fait. Cela dit, juste avant de commencer ce challenge 24 heures sans parler, regarder, bref, ignorer ma famille, si tu penses avoir abonné à ma chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que tu attends en fait? Sista, broda, on ne se prend pas la tête ici. Tang, 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 je t'invite à le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification histoire d'être au courant dès que je poste une vidéo en ligne. À liker si tu le veux bien. Un peu de parfum comme dans chaque début de vidéo. Vous sentez? Ça sent bon, hein? Ouais, je sais. Ok, let's get into it. Donc là, tout le monde est au salon, donc je vais pas les calculer, je vais aller manger une petite banane, tranquillou, tranquillou, tranquillou. S'ils me parlent, et bah je vais pas les calculer en fait. Même pas les toiser ou bien quoi, je vais vraiment faire comme si c'était inexistant, des fantômes. J'ai fait une banane ? Tu filmes ? Tu me réponds pas. Là, je pense qu'il va m'entendre. Il a calculé parfait, fait encore cette phase. Cette phase-là, vraiment. Non, tu dois insister sur le E. Vraiment. Exactement. Vraiment. Tu me parles pas? J'entends aujourd'hui, hein. J'étais. On veut te soucier un peu, tu fais ta manine comme ça. Dégage. Non, mais je te raconte pas, j'en ai trop marre d'eux en fait. Tout le temps et tout, ils sont là, ils me racontent leur vie et tout, mais je m'en tape en fait. Ça me saoule. Va dans la chambre pour parler, non, c'est quoi? Tu cries dans nos oreilles. Comme si ta conversation, ça nous intéressait. Les filles, vous connaissez le poisson chat? Bonjour. Regarde. Il y a des antennes. Ah ouais. C'est comme Barfi. Regarde. Miaou, miaou, miaou. Bonjour Madela. Bonjour Sephora. Coucou toi. Bonjour Pena. Comment ça va Pena là? Tu as peur du poisson chat? Regarde. Vous connaissez le poisson chat, vous? J'en suis sûre que votre youtubeuse, elle est en train de préparer une vidéo prank. Mais là, là, je suis assez rodée. Toute la journée, je la ferai voir de toutes les couleurs. Bon, le Sun Squad. Là, il est 15h24 à l'instant. Là, ils m'ont un peu oublié. Genre, elles font leur vie, elles me calculent même plus. Miskin. J'ai une pote qui va venir là, donc on va un peu chiller ensemble. Donc, du coup, avec ma pote, je vais devoir supporter ma mère. Est-ce que vous avez le genre de mère qui, genre, quand votre copine est à la maison, elle en fait un peu trop, votre mère? Genre, elle veut montrer que ouais, je suis encore jeune, etc. etc. Ma mère, elle aime trop ça.
Après, c'est bien, hein. Longue vie à nos mères. Meuf, heureusement que t'es arrivée. Ma famille me saoule. Pourquoi? Genre, je suis en train de faire une vidéo. Ouais, c'est quoi la vidéo? T'aimes pas. Elle voit quoi qu'elle est filmée, donc même pas pourquoi on est filmé. Moi, c'est l'habitude, c'est trop comme ça. Je tourne tout le temps la caméra est comme ça, allumée, elle éteint. Elle est habituée. J'ai même chaud, je vais même être nue là. Est-ce que toi ça te fait quand genre t'es saoulée, je vais être nue? Non. Donc du coup, je fais une vidéo 24 heures sans calculer ma famille. Au début, bon, ils me calculaient. Donc, moi j'ai calculé pas du coup. Et là en fait, c'est eux qui me calculent pas. C'est qui? Tu me dis papa! Pourquoi tu veux reparler? C'est ta famille ou t'es pas de la famille? C'est la famille. C'est ta famille ou t'es pas de la famille? Tu réponds pas. Comment on va faire? Je suis pas très vite. Moi j'ai le truc, je sens. Toi, t'aurais gagné derrière toi les 5 ans. Impossible. T'es là. T'as pas gagné? Sérieux? Pour moi, 6 mois pour avoir une chanson. Ah ouais, je dène là. Ouais. Ok, Pénola. Sérieux? Sur le nez, je vais vous donner le comico. Pénola. Deux ou quoi? Non, mais le quoi? J'ai vu ton mieux passer. Impossible. Pénola. Pénola, j'ai envie de granola. T'es enceinte? Bon! Les filles, venez! Venez, moi. Depuis le matin, il va falloir nous parler. On va à Jump Park? Oui! Allez, on y va. Ah ben, elle vous dit qu'elle est où là? À Jump Park. Je crois que t'es à Jump Park, moi. On y va? T'es ouf. On les laisse un peu partir. Après, on va les rejoindre là-bas. Vas-y. On va les suivre, nous aussi. Chut. On va les suivre aussi. Ils sont là. Ils veulent sortir sans nous, c'est mort. Ah oui, ils sont là. Vous les voyez, ils sont là. Là, ils veulent prendre un van. Ok, nous aussi, on va. On prend une voiture, nous aussi. Nous aussi, on prend une voiture. Regardez Marine là-bas, s'il vous plaît. Attends, il faudrait quand même attendre que le van y parte. Oh là là, il part. Le van, il part. Le van, il démarre. Vas-y. Le van, il démarre. Attends, le van, il démarre. Le van, il démarre. Ok. Donc, du coup, là. Je suis un peu au feu rouge, là, t'as rien fait rouge, j'ai oui. Là, on les suit, ils sont juste devant nous. Mais je pense pas qu'ils savent. Toi, tu dis chut, tu crois qu'ils nous entendent ou quoi? Elle est. Chut. Tu crois qu'ils nous entendent? Ils nous entendent pas. Oh là là, le chauffeur, il nous a dévancé. C'est pas eux? Non, pas Span. Tout au fond, ils sont tout au fond. Oh putain, il roule tellement. Attends, lui, ma vie entre ses mains là et il fonce comme ça. Même si je leur parle pas, je suis à eux. Hein. Oh là là, ralentis, Marine, ralentis. Ils sont là-bas, regardez. Attends, c'est eux là-bas. Mais roulez vite là, bande de mamies. Ouais, va tout droit, c'est bon. Tu les as vus? C'est bon, ils sont là. On les a eus, ils vont sortir du van. Attends. Je pense que je peux pas. Là, tu peux t'arrêter ici? Je peux pas, meuf. Ils sont juste derrière nous, regardez. Ils sont là. Ils sont là. Faut pas qu'ils nous voient. Faut pas qu'ils nous voient. Siège. Baisse ton siège. Baisse ton siège, Marie. Voilà. Je pense qu'ils nous ont pas vus. Y'a que Linora qui nous a vu, mais elle s'est pas parlé. Y'a la mère qui sort. Elle nous a pas vu. Tu vas faire des missions, merci. Ils sont là. Tu vas tout dans le bois, non? Ouais, vas-y. Fais péter. T'as l'air bien, hein? Grave. Elle est trop mignonne, Nini. Vas-y, viens, on y va, mais on leur parle pas, on les connaît pas. C'est pas notre famille. Merde! Je sais pas qui est ma mère. Elle est là? Oui, elle est là. Tu connais pas la honte, hein? Vous faites quoi ici? Donc, tu faisais ta maline là? Théo, tu ne nous parles plus. Tu fais ta maline et tu viens te pointer avec ton petit gros corps là. Petit et gros en même temps. Tu veux quoi ici? Réponds! Maintenant avec Marine, on veut faire le jeu du vent. Mais le truc c'est que moi j'ai un postiche. Imaginez mon postiche, il s'envole. Des problèmes. Pareil combien qu'elle va l'enlever. Ça va l'enlever. Pourquoi tu me souhaites ça? Toi t'as des vrais cheveux. Non, je regarde. Alors les filles, on a passé une bonne après-midi?
hyper bon après-midi, mais trop bien. On s'est bien dépensé, hein. Et si on clôturait tout ça par un McDo? Et par contre, pour ceux qui ne nous calculent pas, ils n'auront rien. C'est tellement bon que ceux qui en mangent pas, ils ratent. Peine là. Ton McDo, il est là. Oreo, sans la page comme tu aimes. Tu ne nous parles toujours pas? Bon, les gars, en vue de ce que j'ai dans la main, vous avez compris que j'ai perdu. Clairement, ce challenge, ce fut un échec. J'ai perdu. Je n'ai pas réussi à passer 24 heures sans parler à ma famille. Et pour être honnête à 100%, j'ai perdu depuis bien longtemps. En fait, déjà, ma mère, quand j'ai commencé à entendre qu'elle voulait aller au jump park avec les filles alors qu'on ne se parle pas, j'ai compris qu'elle aussi, elle jouait avec moi. Donc, elle savait très bien ce que j'étais en train de faire. Et pendant qu'on était au jump park, en fait, j'ai oublié que je ne lui parlais plus. Donc, du coup, je me suis mise en fait à lui taper la discussion. C'est quoi, en fait? Mais c'est tourbillon de vent. Je veux le faire. C'est assez bien. Fort, hein. C'est bien? Ouais, c'est bien. Je veux le faire. Mais c'est bien, mais à un moment, pourquoi je te parle, en fait? Oh putain, merde, j'ai oublié. Donc, j'ai quand même voulu filmer cette journée pour que vous puissiez voir un peu comment on a passé un hyper méga bon moment avec ma mère, les filles, Marine. Franchement, c'était vraiment une super méga bonne journée. But at the end of the day, it was a fail. J'ai échoué. Ma famille, je l'aime trop et je n'arriverai pas en fait à passer 24 heures sans leur parler. Au début, je pensais en fait que ça serait eux qui seraient désespérés à l'idée que je ne leur parle pas. Mais en fait, ce fut totalement l'inverse. C'est moi qui n'ai pas réussi à ne pas leur parler. Je les aime trop d'amour en fait. Bref. Et là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. Mais il faut que je le dise avant que j'oublie. Souvent, vous me posez la question, Penola, est-ce que cette coupe-là, c'est une perruque? Donc non, ce n'est pas une perruque. Ce sont mes cheveux juste ici, ok? Et je comprends pourquoi vous me posez la question. Parce que bah, comme vous le savez, j'ai perdu mes cheveux. Ça va être trop bizarre de dire ça. Mais ouais, à ce niveau-là, devant là, j'ai perdu mes cheveux à cause de la colle, des got to be, des poses de perruque, etc., etc. Et en fait, ce sont les compléments alimentaires de chez L'Achille Beauty qui m'ont sauvé. Donc, ça lutte contre l'alopécie. Donc, vraiment, si tu as une hairline vraiment bousillée à cause des perruques, je te promets, ma chérie, qu'en utilisant ça en 2 semaines top chrono, tes cheveux, ils vont repousser devant. Donc du coup, c'est rempli de vitamines. Il y a plein de vitamines dedans. Il y a du zinc aussi, donc ça les fortifie, ça les fait briller. Quand tu prends une boîte qui équivaut à un mois, tu gagnes en densité. Et quand tu prends 3 boîtes, ce que je te conseille du coup, et bah, tu gagnes en densité, en pouce, en longueur, et vraiment un truc complet. Et donc du coup, ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout contraignant à prendre comme des comprimés où t'as la flemme de les prendre, ou tu évites parce que le goût il est amer, il est bizarre, etc. Là non, ça a un goût de framboise, hein, c'est un goût de bonbon. Tu te rends même pas compte en fait que tu suis une cure, pas du tout. Et au bout de 2 semaines de prise, donc 2 par jour, tu vois un résultat sur ta hairline. Tu vois vraiment que tes cheveux ils poussent et gagnent en densité. Ça, c'est le top. Voilà, donc du coup je vous mets un code promo Penola 10, pour ça qu'il serait intéressé pour gagner vraiment en longueur, pour avoir de beaux cheveux, ça marche. Allez sur le site, le lien il est en barre d'infos pour voir les avis des clients qui ont passé commande. En tout cas, moi, toutes mes copines qui ont acheté L'Achille avec mon code promo, elles ont été satisfaites et elles m'en remercient jusqu'au jour encore d'aujourd'hui. Parenthèse fermée, cela dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un peu ma famille et restez connectés du coup bah, pour le prochain challenge Money. J'espère que toi qui me regardes, j'aurai la chance, l'honneur de tomber sur toi et surtout bah, j'espère que tu gagneras. Voilà, donc bisous bisous.